Bienvenue à cette édition du 30 avril de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, cette semaine s'est tenue une séance publique du Conseil de ville de Debout-Mistassini. En voici le résumé avec le maire de la municipalité, M. André Guy. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il me fait plaisir de faire un peu petit résumé de notre conseil de ville qui s'est tenu ce soir, le 25 avril 2022. Bien, écoutez, on est heureux de voir que la vie reprend son cours normal parce que ce soir, on a accepté encore d'aider financièrement trois activités touristiques telles que le Marathon des Bleuets qui va avoir lieu le 22 mai 2022, la course de la relève qui va avoir lieu le 31 mai et la journée de la famille, par ensemble, qui va avoir lieu le 4 de juin. Donc, comme on peut voir, on est très heureux du retour de ces événements-là parce qu'on est là pour les encourager puis on fait un retour, comme je dis, à la vie normale. Un autre point aussi qui est important, ce qu'on a accepté ce soir, c'est justement de participer au financement d'une étude sur le potentiel récréo-touristique du secteur Racine-Vauvert. Les gens de ce secteur-là sont venus nous voir, ils étaient inquiets parce qu'il y avait des interventions forestières de la part de la MRC dans ce secteur-là. Puis, ils avaient peur de... ce secteur-là ne soit pas reconnu comme récréo-touristique. Donc, ce soir, on a accepté de participer au financement de cette étude-là qui a été donnée à la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Normalement, on devrait... c'est une étude qui devrait déposer les livrables au plus tard, c'est-à-dire au mois de septembre. Ce rapport-là va être fondé sur de la consultation citoyenne. Donc, toutes les parties prenantes de ce secteur-là vont être consultées afin d'arriver à une cohabitation qui va être respectueuse de chacune des parties. Ça, c'est bien important. Puis on a rencontré les gens d'une association du secteur dans lequel on les a rassurés sur l'étendue de cette étude-là, l'objectif de cette étude-là. Et soyez certains que c'est les gens de ce secteur-là vont être consultés dans le but d'arriver à une cohabitation respectueuse de toutes les parties prenantes, encore une fois. Au besoin, comme on a énuméré, on peut dire que cette étude-là va examiner les possibilités de développement récréo-touristique, va identifier des pistes de développement potentiel du secteur. Ils vont identifier aussi les acteurs de ce développement-là. Parce que vous savez, dans le secteur Racine, Pointe-Racine, Beauvert, centre touristique, la ville est impliquée sur la base de terrain et les TPI au niveau de la MRC. Donc, encore une fois, soyez pas inquiets. On est conscient qu'il y a un problème dans ce secteur-là au niveau de la manière de le développer et on veut prendre tous les moyens nécessaires pour obtenir cette concertation-là. Un autre point qui est important aussi ce soir, c'est la modification du programme de revitalisation des façades commerciales. On sait que ce programme-là, on aide les entrepreneurs lorsqu'ils vont modifier le façade extérieure de leur magasin à payer des honoraires professionnels, à payer une certaine partie de leurs dépenses d'investissement. Donc ce soir, quand on a modifié ce programme-là, on a tout simplement rajouté des secteurs qui étaient inadmissibles au programme, donc on a inclus, on a agrandi les secteurs qui seront admissibles et ça à la satisfaction et à la demande des propriétaires investisseurs. Un autre point aussi qu'on a discuté, c'est la réalisation d'un nouveau jardin de pluie. Qu'est-ce que c'est un jardin de pluie? C'est tout simplement, c'est selon les nouvelles normes, c'est qu'on amasse l'eau de pluie dans des réservoirs au lieu de les rejeter tout de suite dans les systèmes de la ville. C'est tout simplement, on les conserve, cette eau de pluie-là, pour justement l'utiliser à bon escient, considérer ou à arroser les plants, à maintenir un certain degré d'humidité au niveau de la verdure, etc. Et ce jardin de puits-là sera aménagé à l'arrière de l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb qu'on retrouve ici dans le secteur de Delbeau. Donc, encore une fois, on a eu une séance du conseil ce soir, pas nécessairement très mouvementée, mais beaucoup d'articles. On avait 54 points à l'heure du jour, donc c'était un travail très fastidieux. Et nous sommes bien contents de la nature et la vitesse du travail qu'on réalise là, au niveau du conseil municipal et des travaux municipaux. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre attention. La prochaine séance aura lieu d'ici 4 semaines, donc soyez véritablement attentifs et on vous invite
à venir nous rencontrer lors des séances du conseil, qu'on sait que présentement on est en présentiel et non en virtuel, donc ça nous permet de mieux échanger au niveau de nos, de notre questionnement au sujet de nos différentes politiques. Les jardins communautaires de la Trappe ont plusieurs nouveautés à offrir aux amateurs de jardinage cette année. Les aînés pourront entre autres avoir accès à des bacs à jardinage surélevés, soit directement au jardin ou pour une dizaine d'entre eux à la maison. Le président de l'organisation, Serge Simard, nous en dit davantage. Alors, les jardins communautaires de la Trappe sont des jardins qui sont situés en plein cœur de la ville, c'est-à-dire entre Dolbeau et Mistassini, derrière l'ancien monastère des Pères Trappistes. Donc, on a un immense terrain. On a 50 jardins qui sont dans un immense espace dans lequel les gens peuvent venir cultiver leurs légumes. C'est ouvert tout l'été. Ça, on est dans notre 18e saison qu'on est là. Là, nos jardins sont vraiment bien établis. Et là, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui arrêtaient de jardiner, des personnes âgées qui arrêtaient de jardiner parce qu'ils avaient mal au dos, mal aux genoux. Alors qu'on sait que c'est un bon exercice, le jardinage, mais c'est pas toujours facile. Donc, avec un programme Nouveaux horizons pour les aînés, ça nous a permis de faire l'acquisition, de faire construire 3 bacs de jardin surélevés pour ces gens-là. Donc, les gens qui ne peuvent plus jardiner à 4 pattes par terre, qu'il faut qu'ils restent debout, ou des gens qui pourraient être en quadriporteur, les bacs sont faits pour ça. Donc, les gens pourront s'inscrire au jardin communautaire. C'est gratuit pour la première année. Et c'est des bacs de 3 pieds par 6 pieds. Donc, c'est pas un immense jardin, mais c'est assez pour pouvoir s'amuser. Et puis, quand les gens arrivent, la terre est là, on a l'eau qui est à proximité, tout est facilité. En plus, on a les gens qui sont d'expérience. On a des jardiniers d'expérience qui peuvent donner des conseils si les gens ont besoin. Alors, c'est ouvert. Si les gens veulent, les premières personnes qui répondent aux critères de mobilité réduite ou des problèmes de déplacement et qui se déplacent en quadriporteur, donc, pourront s'inscrire et ça nous fera plaisir de les accueillir cet été. Et pour les années à venir, parce que les bacs vont rester là. Dans le cadre du projet, on s'est dit qu'il y a des gens qui... Parce qu'en parlant avec des gens, il y a des personnes âgées, parce que le projet vise des personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer au jardin, qui sont plus dans leur petit cocon, mais qui restent à la maison. C'est pour les gens qui sont soit en appartement ou dans leur maison et qui aimeraient avoir un bac de jardinage pour cultiver un plant de tomates, de la salade ou les légumes qu'ils voudraient. Alors nous, les jardins communautaires, on va avoir 10 bacs de jardinage de 60 litres. Et chaque personne qui va être intéressée va être associée à un parrain jardinier, qui va se rendre chez la personne, qui va amener le bac, la terre, le compost, qui va vérifier que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur bac, s'ils veulent des plants de tomates, des affaires. Et si les gens ne peuvent pas se déplacer, le parrain va aller se déplacer pour acheter les semences, acheter les plants. On fournit tout. Tout est fourni. Et puis le parrain va se déplacer 3 ou 4 fois pendant l'été pour faire un suivi et aussi, évidemment, pour jaser un peu avec les personnes, voir comment ça va. Et puis à la fin de la saison, quand les légumes auront été ramassés par la personne, on retourne, on part avec le bac, on part avec la terre, il ne reste rien pour la personne. Donc c'est un peu comme un été... clé en main, qu'on dirait, un petit jardin à la maison. Et ça, c'est bon pour 10 personnes. Et ça aussi, c'est gratuit. Alors, il s'agit que les gens s'inscrivent. On donnera peut-être les coordonnées tout à l'heure ou vous pourrez les mettre à la télévision. Les gens s'inscrivent et puis les 10 premières personnes âgées qui correspondent à ça, qui restent à la maison, dans un appartement, seules à la maison, pas dans les personnes qui sont dans les foyers, là. Les personnes qui sont vraiment à la maison et qui auraient de l'espace pour un petit jardin sur un balcon. Ça ne prend pas beaucoup, même quelqu'un qui est au deuxième étage, troisième étage, dans un bloc, qui a un balcon, peut avoir son petit jardin sur le balcon, et tout va être fourni. On se rappelle de l'année passée qu'il avait fait beau, mais on n'est pas hors délai à ce temps-ci, là. Parce que je regardais les photos sur notre page Facebook, le 24 avril, il y a 2 ans, les jardins étaient blancs encore, il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Donc, on est à peu près dans le même temps. Ça ne retarde pas. Nous, on fait autoculter les jardins pour tout le monde. Et puis, on fait ça quand la terre est vraiment sèche. Et puis, ça ne sert à rien de planter trop vite parce qu'il y a toujours une gelée qui arrive. Donc, avec l'expérience, on dit toujours aux gens, prenez votre temps. Faut pas commencer trop vite. On va tout arriver au même point. Il y a encore des jardins disponibles. Au jardin communautaire, c'est des jardins soit de 25 par 50, donc des grands jardins,
pour une famille ou un couple ou quelqu'un seul qui voudrait vraiment jardiner, ou des jardins qui peuvent être séparés en deux, 12 pieds et demi par 20, par 25 pieds, qui est quand même un jardin raisonnable. Et les jardins sont rotocultés. On a une banque d'outils qu'on prête, tous les outils, râteaux, tout ça, les pelles, les gens, s'ils n'en ont pas, on les prête. Les jardins, on a fait l'acquisition de plusieurs outils. On a l'eau à chaque jardin, les gens avec un boyau d'arrosage est autonome dans le jardin. Et puis, surtout, il y a l'expérience des autres jardiniers qui est intéressante parce que tous les conseils qu'on peut donner. Et il y a des gens, à partir de 5h30 le matin jusqu'au soir, il y a des gens qui sont dans les jardins. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que les autres jardinent, qu'est-ce que les autres... On apprend des trucs sur les insectes, sur les plantes. On s'aide beaucoup. C'est un jardin communautaire. Un jardin communautaire, j'ai toujours... Les gens cultivent un petit jardin privé, mais dans un espace communautaire. Alors, c'est ça qui est intéressant. Dernièrement, je ne sais pas si c'est le réchauffement un peu, mais on a des gens qui ont fait vraiment des tentatives de melons, de cantaloupes, qu'on ne voyait pas il y a quelques années, et ça pousse très bien. Les gens cultivent des melons, des cantaloupes. Mais à part de ça, des variétés de carottes, tomates, tout ce qu'on retrouve dans un jardin, puis il y a des expériences qui se font, puis il y a toujours des jardiniers d'expérience. On essaie une nouvelle variété, puis là, les gens regardent, puis après ça, l'année d'après, il y a 3-4 jardins qui plantent ça. Puis il y a du maïs, il y a des patates. Il n'y a rien qu'on n'a pas le droit. Le seul règlement qu'on a, il ne faut pas que nos plantes nuisent aux voisins. Alors, si on a toutes des plantes en hauteur, ça peut nuire aux voisins, mais ça n'arrive pas à peu près. Et puis, c'est des jardins qu'on dit écologiques, donc il n'y a pas de chimique. On ne peut pas traiter les insectes avec du chimique. On a des trucs, des conseils qu'on donne aux gens, mais c'est les seuls règlements. À part de ça, chacun fait ce qu'il veut dans son jardin. Alors, soit pour les bacs surélevés, les trois premières personnes qui, dans le fond, s'inscriront, ou pour les jardins à la maison, on est bon pour 10 personnes, le projet nous en donnait pour 10 personnes, ou pour louer un espace de jardin, je dirais traditionnel, régulier au jardin. Alors, il faut communiquer avec le responsable des communications, qui est M. Raymond Gauthier, au 276-40-33, et lui donnera toutes les informations. Et on a notre page Facebook également. Et si les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est un jardin, on a deux vidéos qui ont été faites par la télévision communautaire dans les années passées, qui sont restées sur nos pages Facebook, et qui expliquent vraiment très, très bien c'est quoi un jardin, comment ça marche, les règlements, etc. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur, Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire, parce que c'est à chacun ses jeux. Cet été, la Télé du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Gérardville et, en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Touristes gourmands, hébergements, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve, embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler mille et un projets. Cette semaine, le Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine a procédé à l'inauguration de l'espace bénévole dans ses locaux. La directrice Sarah Véro nous donne tous les détails. Le projet de l'espace bénévole vient d'un besoin de faire la promotion de l'action bénévole et de recruter des nouveaux bénévoles. Donc, comment on voit ça? Si un bénévole qui est impliqué dans son milieu, pas nécessairement en lien avec le Centre d'action bénévole, mais avec un autre organisme qui veut convaincre quelqu'un de donner de son temps, qui est capable de faire la preuve, bien, il peut venir s'installer dans notre coin, qui ressemble un peu d'une maison, donc venir échanger. Puis nous, on peut aller pallier, on peut aller
nous, c'est les employés, je vais dire ça comme ça, qui peut aller jaser avec eux, expliquer. On a fait nos devoirs, on connaît les organismes, on connaît les besoins des organismes, on sait qu'il y a d'autres choses. On veut aussi que les gens apprennent à utiliser notre Facebook pour chercher des bénévoles ou pour voir les besoins qu'on a. On a fait un menu déroulant sur notre télévision pour les offres de bénévoles. Donc, on veut vraiment que ça soit utilisé pour faire la promotion de l'action bénévole. Pour la semaine du 24 au 30 avril, c'est la semaine de l'action bénévole. Donc, cette semaine-là, on va porter une attention spéciale. On invite l'ensemble de la population à venir de nous voir de 13h30 à 15h30. Les employés vont être là, puis c'est vraiment l'ouverture de nos locaux. Par la suite, on va être ouvert du lundi au jeudi de 9h à midi, de 13h à 16h. Donc, quelqu'un qui veut venir prendre un café, jaser, échanger, va pouvoir venir à nos bureaux. Présentement, là, on vous dit, on est en avril, on fait des déclarations d'impôts, fait que laissez un message, on rappelle tout le monde. Donc, 418-276-1211, faire le zéro pour laisser un message. Mais en temps normal, vous aurez une réponse immédiate. Ou par Facebook, donc notre Facebook, c'est le Centre d'action bénévole Maria Chapdelaine. Messenger est là, donc on a des réponses assez rapides également là. Ou par courriel, info@commercialbénévolemc.ca. Les élèves du programme de musique études de la Polyvalente de Normandin ont pu présenter leur concert d'instruments complémentaires dans un auditorium fraîchement rénové. Mario Côté et Jean-Pierre Boutin, respectivement enseignants et directeurs adjoints, expliquent le projet. Bonjour, mon nom est Mario Côté, je suis professeur de musique à la Polyvalente de Normandin au programme musique études. Nous avons le bonheur de présenter notre spectacle d'instruments complémentaires, c'est-à-dire spectacle de guitare, de piano et de cordes frottées, violon, violoncelle, violon alto et contrebasse. Donc, nous vous invitons à assister sur YouTube à ces merveilleux spectacles de nos élèves. Vous pourrez prendre connaissance de tout cela sur la page Facebook de la Polyvalente de Normandin ainsi que la page Facebook de la télévision communautaire, la télé du Haut-du-Lac. Petite nouvelle à vous annoncer, l'auditorium de la Polyvalente de Normandin a été fraîchement rénové. Donc, j'y suis présentement. On voit ici les beaux bancs neufs. De beaux investissements qui ont été faits à la Polyvalente de Normandin. Donc, une merveilleuse auditorium pour vous présenter de beaux spectacles. Dans le fond, les travaux à l'auditorium impliquent un renouvellement de toutes les places assises. On a plus de places assises qu'on en avait autrefois. On a augmenté notre capacité d'accueil. On a rafraîchi aussi les lieux parce que ça datait d'un certain temps. Donc, il y a des éléments structurels qu'on a conservés parce qu'au niveau sonore, ça restait intéressant, au niveau de l'acoustique. Donc, toutes les pièces de bois qui sont originales dans l'auditorium qu'on a conservées pour la sonorisation, mais ça a été rafraîchi quand même. Peinture, entretien, tout ça de ces pièces-là. Au niveau de la scène, on a élargi la scène en enlevant des pièces dans les côtés. On est allé chercher de la profondeur, donc ce qui va être bien utile pour nos différents ensembles, pour les harmonies, pour les différentes productions qu'on peut faire dans l'auditorium. Il y a tout le renouvellement aussi de l'éclairage, des équipements de sonorisation. Toute la régie est équipée avec du matériel qui est technologiquement un petit peu plus à la fine pointe, on va dire. Là. On s'est renouvelé de ce côté-là aussi. Puis évidemment, avec tout le volet musical qu'on a dans la Polyvalente, ça prend tout son sens. Puis aussi, ça va permettre à la Polyvalente d'accueillir des spectacles de l'extérieur aussi, puis d'avoir des productions peut-être de plus grande envergure qui vont être produites ici, qui vont être présentées ici, je devrais dire, parce que techniquement, ça va être possible de le faire. Et le Centre de ressources pour Hommes Optimum présente le projet La route de la paternité. Plusieurs organismes de la MRC se sont unis pour créer une pochette contenant de l'information pour les nouveaux pères qui leur sera remise au début de la grossesse. Nous nous sommes entretenus sur le sujet avec Fanny Larouche. Donc, grosso modo, le service Maison d'hygiène, dans le fond, c'est un service qui vient en aide pour les pères de la région. Donc, ce qu'on veut, c'est les accompagner dans le rôle de la paternité. C'est des pères qui peuvent vivre des difficultés souvent familiales, conjugales, personnelles. Donc, il y a un volet où on peut héberger ces pères-là avec leurs enfants pour les accompagner vraiment dans ce qu'ils vivent, puis développer aussi les habiletés parentales.
Mais on a aussi le volet externe qu'on entend beaucoup moins parler, qui est aussi des suivis avec un intervenant pour développer des habiletés parce que bon, le monsieur n'a pas besoin de l'hébergement. Puis on s'est rendu compte, en travaillant avec ces pères-là, que la valorisation de la paternité était encore vraiment laissée de côté. C'est vraiment un enjeu au niveau de la société. Puis on avait des références aussi, exemple du CIUS, qui référait des pères dans notre organisme, puis les papas disaient « Non, je ne vais pas là, c'est un organisme pour les hommes avec des comportements violents, j'ai pas de comportement violent. » Mais tu sais, le Centre de ressources pour hommes optimum a vraiment évolué à travers les années. Donc à ce moment-là, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher les pères dès le début de la grossesse? » Parce que souvent, les mamans, tu sais, rapidement, tu sais, on prend soin de la mère, on va la traiter aux petits oignons, on va l'accompagner dans le processus de la grossesse. Puis le papa, ben, on va le féliciter, mais encore là, est-ce qu'on va le questionner? Est-ce qu'on va valoriser son rôle dès le début? Un peu moins. Donc, notre mission, vraiment, c'est de valoriser la paternité dès le début du résultat positif au niveau de grossesse. Donc, on a appelé ça la roue de la paternité parce que quand le papa apprend qu'il va être père, dans le fond, on l'invite aussi à consulter un médecin ou la GMF du médecin qui va procéder au suivi de grossesse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on remet une lettre au père pour dire hey, « Bienvenue dans le monde de la paternité. » S'il y a quoi que ce soit, nous, le Centre de ressources pour hommes, on est là, mais il y a plein d'autres organismes communautaires qui sont là. Parce que la roue de la paternité, c'est vraiment un service où est-ce que la communauté et les organismes communautaires ont voulu embarquer dans ce projet-là. Puis c'est ce qui est beau, en fait, c'est que la MRC de Maria Chapdelaine, c'est la première MRC qui a voulu embarquer puis que les organismes se sont mobilisés pour valoriser la paternité. Fait que ça, c'est vraiment une belle fierté dans votre secteur. Donc là, Julien a écrit une lettre. Julien est écrivain, il est papa, qui est intervenant. Donc le père, on lui dit hey, « Bonjour, bienvenue dans ce monde-là ». Le père aussi rencontre le médecin de famille. Où est-ce qu'on évalue? T'sais, comment il va? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un médecin? L'annonce de la grossesse, lui, comment il a trouvé ça? T'sais, est-ce qu'il y a des craintes? Puis on lui remet une pochette. Une pochette sans tabou, sans jugement. Où est-ce qu'on va parler de divers sujets que des pères ont choisis? Fait que nous, dans le fond, on a questionné des pères en disant « Toi, qu'est-ce que tu aimerais savoir au niveau de la maternité? » Donc, on parle de la sexualité pendant la grossesse, après la grossesse. On va parler de budget, on va parler de coparentalité, on va parler aussi de communication, on va parler aussi de l'évolution de la grossesse chez la conjointe, puis comment le papa peut accompagner celle-ci, mais lui aussi, tu sais, comment il peut être accompagné dans ben, ses découvertes, le changement du corps, ses craintes aussi. Les papas, on sait souvent, ils vont avoir des craintes par rapport au budget, par rapport à l'installation de la maison. Donc, on va l'accompagner. On a fait aussi un tableau, puis ça, c'est très drôle, parce qu'il y a des applications maintenant où est-ce que tu vois qu'après 6 semaines... Le fœtus, c'est un petit raisin ou bon, quoi que ce soit. Fait que là, on a fait un tableau où est-ce qu'on a mis des outils, des instruments de travail que les papas vont plus utiliser. Fait qu'on a vulgarisé aussi le processus de la grossesse, vraiment avec tous les organismes du secteur. Puis on a aussi mis en place un plan de naissance. Parce que souvent, le papa, il va accompagner à la naissance et non vivre la naissance. Donc, le plan d'enfant de naissance, c'est on questionne le papa sur lui, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut pas voir, est-ce qu'il veut assister la mère, qu'est-ce qu'il veut pas faire non plus, c'est quoi ses craintes. Fait que ça amène aussi une discussion entre le conjoint et la conjointe pour vraiment pour que lui, en fait, soit préparé puis qu'il se sente respecté pendant l'accouchement. Ce plan de naissance-là est remis au médecin. Ou est-ce que, bon, le médecin, à ce moment-là, va pouvoir savoir le père, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut pas voir, puis de quelle manière qu'il va être accompagné également. Donc, puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la pochette évolue, dans le fond, avec le premier trimestre, le deuxième trimestre, puis le troisième trimestre. Fait que c'est une pochette qui grandit dans le temps, puis aussi à l'arrivée de la maison. Fait que là, dans le fond, de la roue de la paternité, le processus de la grossesse se fait, le bébé arrive, tout le monde est préparé. À ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à la visite en postnatal de l'infirmière, il y a encore des documents qui se remettent au père. Voici maintenant qu'est-ce qui t'attend. Voici aussi, tu sais, tu as entendu parler du Centre de ressources pour hommes optimum, bien, oublie pas qu'ils sont encore là. La roue de la paternité aussi, c'est des groupes de nouveaux pères qui vont se rencontrer pendant la grossesse, puis qui vont se rencontrer aussi après la grossesse. Où est-ce qu'ils vont pouvoir, eux, présenter leur bébé, mais aussi où est-ce qu'ils vont dire comment ils ont vécu l'accouchement de leur côté. Parce que souvent, on va entendre la mère qui va raconter l'accouchement, puis le père qui va raconter l'accouchement, deux histoires complètement différentes. Donc, on souhaite vraiment valoriser le père dès le début de la grossesse. Ça nous permet de l'impliquer, de l'engager, puis faire de la promotion puis de la sensibilisation aussi, parce qu'on sait que
dans le premier trimestre de grossesse, malheureusement, le premier incident au niveau de la violence, c'est là que ça peut arriver. Puis c'est parce que les papas sont dépourvus de moyens, parce qu'ils sont dans l'inconnu, parce qu'ils n'ont pas connaissance de qu'est-ce qui s'en vient. Puis des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas valorisés. Donc vraiment, pour nous, c'est un levier d'intervention. Puis ça l'est aussi pour tous les organismes de famille du secteur. Fait que ça rentrait vraiment, nous, c'était vraiment complémentaire, en fait, au service maison indigène que notre organisme offre. En fait, c'est ça, le projet n'aurait pas pu avoir lieu si l'arrimage n'aurait pas été là pour parler du postpartum, parce qu'il y a des papas qui vont vivre le postpartum. La maison de la famille part ensemble, parce que c'est eux les spécialistes au niveau de la petite enfance. Du service budgétaire aussi, pour parler de planification budgétaire, des rentes qu'on a le droit quand on est en maternité puis en paternité. Le Centre de ressources pour hommes également ont participé. Donc, c'est vraiment là tous les organismes du réseau, puis également le CIUS là, qui nous a permis de collaborer avec eux dans divers outils là, prénatal, postnatal. Là. C'est vraiment un travail de concertation qui fait en sorte que je crois que c'est ce qui va faire que la route va évoluer dans le temps pour continuer à accompagner les pères à la petite enfance, à l'adolescence, puis dans les différents défis. Ça devient un peu complémentaire. La maman reçoit une pochette à l'hôpital, puis on ne vient pas de dédoubler. C'est vraiment complémentaire. Puis c'est plein d'outils aussi très, comme je le disais, vulgarisés, très accessibles. Là, le père dans la pochette, j'oubliais, il y a une lettre pour informer son employeur qui va partir en congé de paternité parce que souvent, les hommes, ce qu'ils nous disent, c'est « je me sens mal, tu sais, je mets mon boss, là, tu sais, je m'en vais 3 semaines, 5 semaines, là. Je sais que, tu sais, ils vont travailler, mes collègues, que je me sens coupable. » Ben non, tu sais, t'as le droit. Donc déjà, on prépare, tu sais, l'employeur au départ pour que l'employeur valorise aussi la paternité, là. Comme vous le savez, le Centre de ressources pour hommes Optimum, on couvre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait qu'on a un point de service à Debomistassini, à Robertval et à Alma également. Donc, on a un site web, le www.crhoptimum.ca. On a une page Facebook aussi où est-ce que c'est possible de clavarder en ligne avec un intervenant pour prendre un rendez-vous. On n'arrête pas malgré là, la COVID, là, fait que tu sais, si le papa ou l'homme, là, la COVID, le numérique existe encore, par téléphone, en présentiel. Nos locaux vraiment sont adaptés, là, puis super confidentiels, donc de ne pas gêner. Puis on a la ligne 1-877-276-5802 là, qui est disponible en tout temps. Et c'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.